Declan? Shane! Oh, shit! Shane! You're all right! Oh, that's not bad! Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim avec credit for the recherche du docteur Vodka. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. Mais non, je veux pas aider Lucas. I'm glad you're all right, man. Please stay that way. Content que tu sois sain et sauf. Pourvu que ça dure. Ah. Je pense grave à la même chose. C'était quoi? Ok. Je sais pas si c'est Georges, mais... Quoi? Quoi? On arrive, c'est déjà le bordel! Tu viens. Oui. Holy shit, the whole base is infected. Ok. Lucas. Lucas. Of course, no response. Les patates qui ont tourné mal. Oh bon. Qu'est-ce qu'il y a par là? Flowers. Des fleurs. Oh, ok. Tout va jusqu'à bien en vrai. What? Quoi? Un peu de ménage. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Toi, tu vas bien. Toi, t'es une vraie plante, toi. Toi, t'es une vraie plante. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. C'est pire que ce que je pensais. Dès que j'ai vu ce qui se passait, j'ai tenté de récupérer mes notes et de préparer un remède. Ina a dû anticiper mon intervention. Quand je suis arrivé à la porte, elle était déjà bloquée par un réseau impénétrable de racines et un étrange polype pulpeux. Et cette plante virulente semblait sentir ma présence. Je m'en suis sorti de justesse, par chance. J'ai pu récupérer un petit échantillon de tissu sur ma boîte. Après l'avoir arraché à l'une des poux, c'était pas green. L'analyseur a identifié un agent neutralisant que... Je vais m'efforcer de réparer immédiatement. Les plantes sont de plus en plus agressives. J'espère qu'un injecteur de série Z... Oh, plantes. Sera assez robuste pour percer ses racines. Je dois retourner au laboratoire plus vite. Sans l'antidote pour contrer cette expérience désastreuse. La base est condamnée. Ce serait ballot. J'avais mis en garde le docteur Vodka contre ce type d'incident. Mais non! Le docteur Vodka, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit... C'est l'évolution! Parce que moi aussi j'essaie de le prévenir. J'ai essayé de prévenir Dr. Vodka. Et c'est le seul truc qu'elle a répondu. Son ambition détachée de tout type de considération morale a provoqué sa perte. Le potentiel illimité de l'agent pathogène Z a brouillé son jugement. Non, la Vodka a brouillé son jugement. Et dans ce profond malaise mental, l'esprit passionné qui l'animait chaque jour se manifeste à présent dans un chaos. De racines et de souillures à travers toute la base. Voilà pourquoi j'insistais sur l'importance des protocoles et des procédures. Pour éviter une situation comme... Voilà pourquoi est-ce que je propose de mettre un casque dans l'espace. Parce que sinon, tout le monde meurt. Ah. It's the recipe for a plant poison. Ah! If Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Poison envoyé, ok. On a fait ce qu'il fallait, là. On a rien à faire là. Par contre, ça suinte, ça coule, ça fait chplubluc.
Ok. Ça y est, plus de bloc, hein. Ouah, c'est pas moi, ça, hein. Moi, j'ai rien fait, là. Mais j'ai rien fait non plus, mais... Oh. Voilà, il est là. Mais bon, il est prêt, le poison. This could be useful. Ouais, là, par exemple, tourner la tête, comme ça. Ajouter à l'inventaire, très bien. Deuxième aussi. Ok. Faut qu'on fasse une séquence. Oh. The vials I found won't be enough to make the compound. There must be more of them around. Voilà. Faut de tubes. On a 4... Ok, faut qu'on récupère tous les tubes. Dans un autre labo, c'est ça? Ah! Ah! Avec ça, peut-être... Récupère... Oh, attends. C'est quoi ces tubes? Oh! Oh là là là! Ici! D'autres tubes, d'autres couleurs. Oh, ok, très bien. Hop! Disgusting! Sans deck! 1, 3, 4, 5. Ok. Alors ça, c'est ok. Parce qu'on a une transformation possible. Est-ce qu'on va essayer? Voilà, ça y est, j'ai. Grâce à mon diplôme en antartisme. That did it. Declan, a little hope. Lucas, c'est pas si difficile que ça en vrai. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. Allez, je reviens de botanique. Ok, il me semble que j'ai vu un truc là. Là, 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 je peux te pouic-pouic. Ah, ça va être dégueulasse. Ne faites pas ça avec les points noirs, bien sûr, évidemment. What the hell? Oh no. God damn it. Non! Lucas. Declan, Lucas is dead. Lucas is fucking dead. Oh god, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing, it's on the walls, on the floor, it's like it knew. Hey, 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 breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. Oh. Quel sacré polype que voilà. Mais non, mais il est... Mais mon gars, il est foutu. Mais... Lucas! Parle-moi, Lucas! Lucas! Regardez le... Regardez le film Life avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Ouais, ouais. Tu as utilisé quoi comme dentifrice? C'est ça le problème, je pense que c'est ça le... Waouh. Oh, c'est pour un streamer ça, je reconnais. C'est Webedia. Regardez. Dernier streamer qui a voulu briser son contrat avec Webedia. Je reconnais, ouais. Lucas, le centre de contrôle souhaite que vous penchiez sur un éventuel voyage jusqu'aux deux lunes. Envisagez la logistique. Ou depuis Mars, essayez de leur fournir une estimation chiffrée. Faites-en priorité. Examinez aussi l'orbite de chaque lune. Phobos devrait se trouver à 1,4 diamètre martien de distance pour une révolution de 7,66 heures. Mais sans eux, les deux satellites sont nettement plus proches et plus rapides. Sûrement une erreur
Ok. Ça, une équation avec un système de... Comment ça s'appelle? De planétaire et tout, ça c'est du Lovecraft, ça. Je reconnais, ça, c'est une barrette de rhum, ça. Na 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 na. Très bien. Il est arrivé quelque chose à Ina. Sans déconner! Bon bah Ina... Désolé Ina. Hein. Docteur Vodka, un des échantillons de plantes hybrides prélevés sur les nouveaux spécimens sans particulièrement dangereux. Sans déconner. Ces fleurs peuvent libérer un nuage toxique. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de spores, mais ce nuage se dissipe rapidement, ne laissant derrière qu'un simple résidu muqueux, composition proche de celle de la salive. Ouais, je m'y connais. Les analyses du gaz révèle un fort pourcentage de tétrodotoxine. Avec un petit échantillon, la neurotoxine n'est pas assez puissante pour induire une autre chose qui ne gêne. Mais à proximité d'une plante adulte, elle pourrait être mortelle. Très bien. He coded a biogage script. Lucas and Ina both knew this could happen. Ok. Docteur Vodka, pour donner suite, j'ai joint à ce message un script de Bioscope conçu pour combattre l'exposition au poison des fleurs hybrides. Merci de le télécharger par mesure... La base de données virale a été mise à jour. Le réflexe de floraison s'active quand un organisme vivant se trouve à proximité. Une onde sonore de haute fréquence peut également déclencher ce réflexe prématurément, ce qui permet de laisser ce gaz se dissiper avant d'approcher. J'ai pris la liberté de retirer les plans de la roue hydroponique en attendant qu'on en discute. Ah, discutons-en, prenons deux secondes pour nous poser. Je vous propose qu'on se pose et qu'on discute de... Ah, au secours, la plante m'attaque! Si Lucas a vu juste, bah il peut voir que d'un œil maintenant, que juste, il peut voir à demi juste. On a téléchargé la base virale. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Thank you, Dr. Van Buren. Merci, docteur. Ok, très bien. On a tout fait fleurir. Bon, avec un petit coup de, un petit coup d'huile de coude, on revient toujours à la même chose. Hein. Clatou Verata. Ok. Plus qu'un tube. J'espère que ça sera en été. Attention bien sûr à tous ceux qui ont des points blancs. Prudence. This isn't working. Vous avez un acné bif bof. Attention, attention hein. Declan, this is out of control. Even if I could use the poison, the greenhouse door is covered in roots. It's walled off. Okay, try the emergency airlock by the greenhouse. Là on a un pistolet injecteur vide, nécessite un tube pour fonctionner. 1 sur 3. Donc il faut trouver des tubes en fait. Pour faire plus de poison. Il y a un tube quelque part là ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas ranger ses affaires. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas ranger ses affaires. C'est à cause des gens qui rangent leurs affaires qu'on les retrouve pas. C'est pour ça que les gens qui ont des bordels chez eux sont des génies incompris. Et parce qu'on retrouve tout lorsqu'on range rien. A final gift. I hope it was worth it. I should head back to the infirmary and synthesize the stronger poison. Infirmerie, c'est ça ouais. Ne rangez rien, regardez. Regardez. Lucas faisait partie des gens qui rangeaient. Voilà où est-ce que ça vous mène. Voilà où est-ce que ça... Ne rangez rien. Cet homme-là rangeait son bureau. Voilà comment il a fini. Voilà. Voilà comment il a fini. Hein? Tu bêtes. Oh. On se connaît tout juste.
Tu sais, moi qui est comme ça en train d'ajuster ma mèche. Oh. Oh, mes cheveux. Alors que c'est un tentacule qui fait. Oh. Décidément. Donc là, on a le droit de se permettre. Tu vois ? On va essayer en 3. Alors ça, c'est non. Ça, on peut. Donc si on peut ça... Ah, on peut tenter ça. Oh, 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 oh. J'ai Yes! Declan, I have what I need. Sentiment de satisfaction, hein. So I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? J'espère que... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, okay. The whole system is poisoned. It could work. Ah, chier les bulbes. J'espère que Lucas va bien. Ça fait un moment, ça fait 4 jours qu'il est allé chercher du bois. J'ai la mèche en feu. J'espère que Lucas va bien. Je me demande ce qu'il devient depuis le temps. Lucas! Ah. On a du Biactol, bien sûr. Ce n'est pas une OPSP. It's just a short EVA to the airlock at the back of the greenhouse. Declan, there's no helmet in this airlock. Oh. And the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Le mec qui me propose des bouquets pour survivre dans l'espace. T'es vraiment en train de me proposer des bouquets pour aller traverser le sable martien. Je sais pas pourquoi on fait des études à la NASA. Et grâce aux bouquets. Moins 10 degrés. C'est pas grave, j'ai des bouquets. Qu'est-ce qui peut m'arriver d'affront en Antarctique? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné l'adresse. Droite, gauche, j'ai pas lu. Ah quoi? Mais pourquoi j'ai pas lu? Mais parce que je lisais. Oh le chat. Bon bah go. J'ai des boules qui est. Boules qui est. Pour la puissance de boule qui est. Ça va. C'est ok. J'ai les boules qui est. Ah. Ah, je survis sur Mars. Ouais. Ouf. Come on, check in. Ah, t'inquiète, j'ai les boules qui est. I'm freezing. Ah, je vais me recouvrir avec des boules de caisse. T'inquiète. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? Ben oui, ça va. Franchement, c'était que la surface de Mars. C'est pas grand chose. Franchement. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'affreux, ton mec? Ah. À part ça, je veux dire. Par la puissance des boules qui est. A-t-il des lunettes? Ok, l'ambiance change. Ok. Désolé de te déranger ça, mais. Docteur Vodka. Mais, je vais te dire que le temps que nous avons passé ensemble est précieux pour moi. Je me faisais simplement du souci pour ton état mental. Ah! Ah oui, l'état mental!
celui qui fait que tu regardes un mur plein de bubons et que... C'est pas grave. Ce n'est que l'évolution. Ok, ambiance. Mettez des boules-caisses sur votre mental si vous voulez pas qu'il craque. Merci Lucas. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifier. Il y a des fleurs jaunes maintenant. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Waouh. Mais waouh. Waouh. Lucas! Il y a la chasseuse dedans? Quelqu'un qui chante là? Faites le ménage chez vous, bien sûr, hein, si vous voulez pas que ça finisse comme ça. Waouh. Merci. Ça va, ce ne sont que des hallucinations. Voilà pourquoi elle avait écrit Listen. Ah ouais. Il dit je déteste cette planète, c'est le sous-titre. Et c'est pas ce qu'il dit. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Time, tu sais. Oh non. That hatch will get me where I need to go. Et ça chante, il faut qu'on aille là. Je jure, ça chante et ça chante pas Ouiza. J'arrive pas à me baisser. Ça chante? Droite. Ouais. C'est sûr. Regardez bien là. On dirait pas que c'est une poupée toute choupie qui a les bras en l'air comme ça. On dirait pas que c'est un doudou coincé. Hein? Franchement, c'est trop mignon. Hein. Avec des petits yeux comme ça. Regardez. Bon, ça chante en démonant, mais. Rien à voir. Ah, avec une grosse écharpe. Et un nez, tu vois. There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. Ah! Empoisonné, mais... Va pas être content.
ça a mal fini, on sait. Ça, on sait que ça a mal fini. Water filter. Water filter. Clatu Verata, Nectu, Water filter. Deux clans. Deux clans, c'est la daube. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Oh non, il fallait en haut. La dernière fois que je suis allé à l'intérieur et en haut. Quoi? T'as trouvé quelque chose? She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you. Non, je connais qu'il y a vu une énorme porte démoniaque qui ouvre sur une dimension parallèle. Elle a décidé d'y aller. It is a Orochi, right? Apparently, we're going to find out. Super idée. Oh, très bien, les tentacules qui sont des grooms, donc ça fait plaisir. Groomtacule. C'est là, ah non. Des clans. Deux clans, c'est toi. Tentagroom. Ah, c'est là, ça. Oh. Pouah. Mais ça a tellement merdé. Tuer l'arbre. Tuer l'arbre. Non, c'est encore vivant, mais je peux me rapprocher maintenant. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. Oh non. What is this? Je ne sais pas ce que c'est. Éclaté là. Deux clans. Vodka. Ouais. Ok. Quoi? C'est le docteur Vodka. C'est le docteur Vodka. That must have been one of its main arteries. That worked. It's getting weaker. Just keep going. Non, elle va pas aimer, elle va pas aimer. Oui, oui. Mais aimez-lui. Là au-dessus? Non, 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 non. Docteur Vodka. Oui. Y'a que ça qui marche! Ok! Comme dirait le soldat dans Edge of Tomorrow, un coup de barre de fermer sa gueule! Là, là, ici. Ok. Wow, wow, wow. Ah, mais... Non, non. Ok.
Désolé, docteur Vidka. Ok. Le soleil, il faut qu'il était libéré. Tu pensais pouvoir le contenir. Non, c'est horrible. T'as muté en une sorte de créature démoniaque, mais t'as toujours ton accent russe. S'il y avait un truc à améliorer, c'était bien ça. Et tu peux même pas parler avec les mains avec ton accent italien. Ok. Oh non. Succès déverrouillé, vieille branche. Pas dire. Mais... Shane. Yes! T'avais qu'à valider les portes, les ouvertures, j'aurais pas eu à venir. Récupérer le badge niveau 5. J'ai accès à toutes les portes maintenant. Xénobotanique. Accréditation niveau 5. Biactolède. Ok. To access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding? Qu'est-ce qu'elle trafiquait? Shane, think. The Cyrano is gone. Et fait chier le Cyrano est en panne et notre ravitaillement. Faire la base principale, on est tous morts. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the road are just unbearable. Mais moi aussi. Hey, listen, buddy. I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough, both of you. Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Ouais. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. Pas ouf. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, T'imagines de mourir avec ton accent russe? Sorry. Désolé pour tout à l'heure. Yeah, me too. Moi aussi, je vais gérer. Alright. Alors, I can do this. T'inquiète, je vais gérer. I mean, je pense que le plus simple serait de commencer par l'ordinateur de vodka. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note. Je vais fouiller son poste de laboratoire, elle a peut-être laissé des notes. Ouais, tu vas gérer. Regarde, et je trouve que les effets sont cool. Ouais, c'est beau, je trouve ça incroyable. Comme ambiance, vraiment. Je trouve qu'il y a un côté Soma dans le jeu. Ok. Lucas ? C'est toi, Lucas ? Lucas ? C'est toi ? Comment ça va, Lucas ? QG. Pendant des mois, j'ai douté de l'efficacité de nos efforts sur Mars. Je sais pourquoi j'ai été recruté. Je reste indifférente à la surveillance permanente affichée des agents de rocher. La serre est trop restrictive par sa petite taille et son équipement limité. Pour ne pas dire amateur. Je suis sans cesse interrompu par des tâches et des événements sans intérêt. Toutefois, je fais une voix de méchant parce que à la fin, ça a fini... J'ai fait feu de tout bois, quoi. Toutefois, une récente découverte a permis à mes travaux de porter leurs fruits et j'exige à présent de bénéficier de ce potentiel illimité de recherche extraplanétaire non réglementé promis par notre groupe. Quoi ? J'accepte votre mission secrète à Mars seulement si vous me donnez un budget illimité pour faire des expériences. J'accepte d'être scientifique seulement si je fais des expériences dans l'espace. Vous trouverez ci-joint une liste préliminaire de résultats d'une présentation des objectifs du projet ACC1. Pour faire court, contrôle, croissance, l'agent pathogène Z ajuste sa taille en fonction des stimuli extérieurs, qu'il soit isolé ou attaché à son organisme hôte. Il peut être entraîné, via renforcement positif, à répéter certaines tâches, surmonter son aversion aux stimuli et accomplir des fonctions simples. Les applications potentielles de cette découverte sont, comme vous vous en doutez, sûrement révolutionnaires.
Et c'est pas facile de faire un jeu avec du background et des textes à lire. C'est pas facile, hein. Docteur Vodka, vos récentes contributions à l'étude de la souillure en lien avec la vie végétale se sont révélées des plus précieuses pour nous. J'ai chargé, faut que je fasse une voix un peu hautaine, j'ai chargé le QG de conserver tous vos résultats dans les archives d'Arius et j'ai pris la liberté d'attribuer le nom de code Sylvarmur, un titre plus en accord avec votre mission. Vous êtes maintenant autorisé à accéder au complexe. Votre code d'accès est 5538. Quoi ? Ceci vous confère une certaine autonomie. Même si elle en ignore toute la portée, elle ne pourra pas consulter vos notes ou vos communications à ce niveau, y compris ce message. La moindre indiscrétion de votre part entraînera une révocation immédiate de ces nouveaux droits. Sur Mars, vous êtes encore plus libre que dans la plus secrète et la plus sécurisée des installations de Roshi. Profitez de cette liberté. Quoi ? Vous pouvez faire vraiment des trucs horribles dans l'espace ? Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand. Ok, Sylvarmur, approuvé. Père, je déteste les menaces voilées. Presque autant que les noms de code ineptes ou ce terme absurde de souillure. Le groupe Orochi, de son monstre à 8 têtes, au reste a vraiment tendance à en faire trop. C'est indigne de vous. Mon succès ne vous offrira pas l'horizon. Mon succès viendra lorsque j'aurai démystifié la souillure. Une force aussi incroyable ne devrait pas être dévalorisée par ce nom ridicule. Ce terme d'agent pathogène du point zéro est à peine plus adapté. Dorénavant, j'appellerai cette substance le pathose. Je recevrai bien un peu de pathose. Hein ? Et quand je comprendrai enfin de quoi il s'agit ? Je sais pas. Je sais pas de quoi il s'agit. On va l'appeler le pathose. toi, je vais t'appeler ça comme ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais... Quand je comprendrai enfin de quoi il s'agit, je lui donnerai un vrai nom. Quand j'aurai réussi, la consigne sera de bannir ces noms ridicules dans le langage. Le mec, c'est Twitter, quoi. C'est moi qui fixerai les requêtes, là. Gna, gna, gna. Et vous chercherez laborieusement mes faveurs. Gna, gna, gna. Docteur Vodka, si vous réussissez, vous aurez tout cela. Et vous aurez droit à un dictionnaire. Et on vous offrira un logiciel de gestion de grammaire. Et aussi... Vous aurez droit à Word 2011. Quoi, 55, 38. Je me sens prêt, j'y étais. Declan, there's an elevator in the center of the research lab. The server room has an elevator. Oh shit, I've walked by it 100 times. Alors, ouh. I'm heading down. Eh bien, écoutez, je choisis l'Argus. Après avoir bien réfléchi. Ça fait 4 jours que Lucas est allé chercher du bois. C'est pas comme dans les niveaux de Sonic, là, comme ça au Mario où tu retournes et t'as un bonus, non ? Ouvre, 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 ouvre. Emile! The whole system locks down if the security camera spots me. Maybe ah, si I ça can me connect repère. To it with the bio gauge. Faut que je me connecte à la caméra. Faut que je fasse tourner à droite. Oh, je trouve ça bien pensé. Je déconne.
Vas-y, regarde à droite. Petit bac qui tourne mal. Oui. C'est bon, j'ai gagné. Imaginez la scène où j'arrive, le robot il bouge là. Destruction, destruction, et moi qui me retourne vers le mur. Escalader le mur. Vas-y, je suis un bonhomme. C'est bon? Non mais c'est... Non, c'est fini. Tu m'as détecté, c'est foutu. Voilà, tu vois. Après, j'ai eu peur. Lucas? Shane, we made it to the door. Definitely not Orochi. It looks ancient, but they've been here. There's equipment near the base, and there's a strange artifact on a pedestal. If they found a way inside, there's gonna be a record of it. I'll see what I can find out. Je trouve que l'ambiance change de tout à tout là. Ça me fait une belle jambe. Je trouve que l'ambiance change totalement. Ouais, pour Declan, ça a l'air de mieux aller. Hein. Non. Ok, j'ai un truc à prendre. Un truc à prendre? Non, j'ai rien à prendre. Non, des seringues, ton tournevis, c'était... Ok. Oh, j'ai... Il y en a qui font des conspirations pour... Non... Oui, bon, ça va. Il y en a qui font des conspirations pour faire pousser des sortes de choux martiens de l'espace. Et... Moi, j'en suis pas là. Moi, je veux juste que les gens croient que j'ai un diplôme. Tu vois, je le twist. C'est juste que les gens croient que j'ai des compétences. Alors que jamais. Diagnostic, ok. Okay. Moi je suis juste là pour trafiquer mon BEP. Tu vois, à la base, j'allais juste là pour essayer de modifier mon diplôme. Ouais, votre laboratoire après. Rendez-vous dans la salle 7A. C'est parce que j'ai menti sur mon CV. C'est un bon séjour. Attends, mais. Tentative de reconnexion toutes les 4 secondes.
Erreur. Je sens que je vais avoir une armée de... diffusion stable, tu vois, qui va venir m'attaquer. Is that a circuit box beyond the door? Ok. Point plus de... En plus un... Voilà. Declan, there are layers to this place. An entire complex. I can't believe this was right under our feet. Josie was right. Volkova knew. This can't be real. C'est bon. On va devoir Oh. Ah non, on a un cul là. Je trouve que c'est bien vu. Non. T'es marché sur un lingot. Coût 1,6 milliard. Les unités ne fonctionnent pas comme prévu. Oh. Ok. Là, il y a... un truc pas bon. Les travaux d'excavation pour le complexe Argus sont terminés. La plateforme robotique est pleinement opérationnelle, avec une meilleure rotation de modèle que prévu. Une usure mécanique largement dans les limites. Les systèmes de ventilation dans la zone des visiteurs et la zone d'interrogatoire sont opérationnels, avec un parfum de montagne exclusif ajouté aux réserves d'oxygène. Les systèmes de sécurité sont actifs et configurés conformément en directive de Manticore. Nous sommes prêts. 12 août 2103. La récente recrudescence de panne sur le terrain a ralenti nos progrès sur les systèmes de transport dans les bureaux souterrains. Nous restons en dessous des seuils tolérables. Mais la régularité de la spécificité des travaux de maintenance requis a été enregistrée. Rapport d'activité suspecte transmis au QG. Des ressources ont été réaffectées de forage suite à la récente découverte d'une veine de glace. Les systèmes géothermiques sont en forte progression. Les systèmes d'énergie ont été totalement convertis du solaire vers le souterrain. Mais qu'est-ce qui... Sandek ? Sans déconner, et qu'est-ce qu'ils faisaient tous ici ? Tout ça, c'est des ordinateurs. Tu peux pas avoir juste un PC portable d'avoir tout ça. Gram, merci de nous avoir contacté, Invictus. Comment est le site d'atterrissage ? Il est prêt à vous recevoir, un peu poussiéreux, mais c'est chez vous. Bien reçu. Nos systèmes ont confirmé votre trajectoire d'approche. Nous entrerons dans l'atmosphère à... Le mec, il... Le mec, il écrit vraiment « They disturb the divine engine, disrupt the barrier, seek a well of knowledge that swallows all. Out the airlock they went, fragile minds scattered to the vacuum, extinguished by the breath of the moons. We're not doing this. Tout va bien. Ce ne sont que des hallucinations avec quelqu'un qui parle d'alignement planétaire cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'affreux maintenant ? On va peut-être se brancher à cette caméra-là, peut-être. Non. Battez-vous. Il y retourne à sa place.
Ok. On est bon. Est-ce qu'il y a une vanne? Ah, on peut peut-être passer par là. Ça m'inquiète un peu, là. Je laisse partir à gauche. Oh, oh, oui, si. Ici, carrément. Carrément, carrément. Ok, parfait. On a trouvé un nouveau passage. Ça a cliqué, hein. Il y a un truc qui s'est passé, là, hein. Ça fait zouiplop là dans les orties. Là c'est un passage. Ok. Je vais leur dire. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ça pique bloc carrément. Statuette de serpentine, pendentif d'obsidienne. Mais ça ce sont que des objets d'invocation satanique. Lovecraftien. Le site neuf reste notre priorité. Les artefacts récupérés sont extrêmement précieux. L'équipe Icar rapporte un état de conservation sans précédent. Pour des pièces vieilles de plus de 30 000 ans selon leur datation au carbone. Le secret est difficile à préserver, mais aucune autorisation n'a été accordée à l'équipe Invictus. Quoi ? Découverte d'une veine de glace préservée au cours des excavations. Mais c'est quoi ces objets de l'espace ? C'est assez ouf. Se connecter à la caméra, ok. Et là, on découvre que l'un des membres de l'équipe, en fait, faisait des expériences, était venu pour une autre mission que celle à laquelle on croyait. Et qu'il y avait un complexe sous le complexe. Ok. Est-ce qu'en me voyant... Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Oh, la porte est fermée, tu peux pas passer. T'es un druide poli. T'es un druide avec des compétences de courtoisie. Ah. Ah. Voilà. Fallait connecter via la caméra sur le point en fait. Faut que j'arrive de 2 à 7 en résolvant l'énigme du professeur Layton. 2 à 7 avec des malus et quoi? 2 moins 7? Quoi, il y a des moins? Ok. That turned on the conveyor belt. I should be able to get through the room next. Je sais pas comment j'ai fait. Hopla. Coquinou. Azmoth. Voilà. Ça me parle là. Qu'est-ce que c'est? Rien ici. Quoi? Ici? Quoi? Là? Très bien. Oh. Là, c'est un poil inquiétant et non pas... Là, gauche, caméra. Oui. Quoi? Ordinateur. There might be a terminal that can unlock this in the conveyor belt room. Ok. Un terminal. On va se sécuriser là. Voilà, on met de côté. Oh, un autre terminal ça. Alors on a un ordinateur du Dr Vodka, encore, niveau sécurité 4, un message.
Maintenant qu'elle est morte, elle lâche toutes les infos, quoi. Message automatique. Ce message s'affiche en cas d'erreur de système catastrophique ou d'attaque de ce complexe par une entité. Phew. Très bien. Et moi, quand il se passe un truc bizarre, moi j'ai B Defender ou c'est Cleaner qui se lance sur mon PC. Moi, c'est... Mais c'est tout quoi. J'ai pas une armée de droïdes. Moi, le truc que je risque, je sais pas, et encore, j'ai jamais de virus. Ça fait je sais pas combien d'années quoi. Ce message s'affiche en cas d'erreur. Système catastrophique ou d'attaque de ce complexe par une entité inconnue potentiellement transdimensionnelle. Si vous lisez ceci, des mesures de sécurité renforcées sont en vigueur, toutes les portes seront verrouillées et les documents confidentiels sont protégés par des volets blindés. Ces mesures ont pour objectif de prévenir tout vol d'informations confidentielles. Des fois que, imaginons, les entités inconnues transdimensionnelles soient des pickpockets. Hacker. Veuillez noter que les modèles Android bipèdes avancés NDK13 sont conçus pour le transport et l'excavation et possèdent en conséquence la capacité hydraulique intégrée de se déplacer de porter plus d'une tonne. Je sais que j'ai pris du poids, mais quand même. En plus d'être des chefs-d'œuvre d'ingénierie, ils sont... Mais le mec, il se touche en... Ouais, au cas où on se fait envahir par... des créatures dimensionnelles, sachez que ces robots, vraiment, ils sont vraiment super bien faits. Franchement, c'est tellement bien fait. Ah, c'est... Et si des entités venues d'une dimension parallèle... Et calme ta joie. Ou alors, ils nous vendent le truc, tu sais, c'est une pub privée, tu vois. Ah, c'est une publicité, c'est une OP, tu vois, je sais pas trop. Pour éviter tout risque de blessure ou de mort, rejoignez le refuge approuvé par Manticore. Il y a actuellement zéro refuge. On va pas le rejoindre du coup. Alerte, protocole de sécurité au niveau 4. Accès interdit à tout le personnel. Agent pathogène. Pathose. Agent pathose. Procédure de confinement. Ah, on la connaît celle-là. Ça fait plaisir. C'est le labo. C'est pas super bien passé dans le labo, hein. On va pas se mentir. Virus. Ça sent l'essence et l'engrais. C'est un labo de hippie. Je commence avec l'ADN de Rhizophore. La possibilité d'obtenir l'équivalent de décennies de pouces palétuviers en quelques jours, voire quelques heures, tout en contrôlant leurs organisations. Nous pourrions tisser des réseaux de racines capables de protéger des littoraux entiers. Aujourd'hui, j'organise la première rencontre entre Rhizophore et le Pathose. Je n'avais pas souri comme ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on se marre depuis que l'entité transdimensionnelle est arrivée dans notre région. LOLS. Mes progrès sont exponentiels depuis que j'ai accès à du vrai matériel. Limiter mes excursions au strict minimum pour garder le secret est un mal nécessaire. Le docteur Van Buren continue de m'aider dans la serre. Ma soudaine passion pour la croissance végétale doit bien l'intriguer un peu. Sans déconner ! Sans déconner que ça nous a un peu interpellés ! Les possibilités du pathos sont illimitées, je pense qu'il est la clé qui nous permettra d'échanger librement des séquences génétiques entre cellules prokaryotes et cellules eucaryotes. À mesure que le rhizophore se nourrit, le pathos semble de plus en plus à l'aise. Ce n'est pas une description très scientifique, mais c'est la réalité, ses mouvements sont moins erratiques, sa respiration est plus... Quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Les racines s'étendent à un rythme constant, les feuilles grandissent et s'agitent, les réactions aux impulsions magnétiques sont moins marquées. La métamorphose est fascinante. Aujourd'hui, j'ai bougé la main, j'ai tenté de saisir un instrument qui n'était pas à ma portée. J'ignore pourquoi, je n'avais aucune raison scientifique ou autre de le faire. Peut-être le manque de sommeil, j'ai hésité. J'ai essayé de prendre une diode laser à 2 mètres de moi aussi naturellement que s'il se trouvait dans ma poche. Mais c'est pas ma main qui l'a attrapé, c'est le pathos. Quoi ?
JPP de ce labo de ces morts de l'espace. Je l'ai chopé avec mon tentacule, tranquille. De fines vrilles se sont étirées depuis la fleur valérienne pour la saisir et l'ont déposée dans ma main avant de se retirer. La valérienne, incapable de s'étendre si vite, a altéré la structure de sa tige pour développer une petite pousse qui s'est affaissée sur le comptoir une fois sa tâche terminée. J'essaierai de répéter cette expérience demain à tête reposée. Mes sens ont leurs limites et je me demande si je n'ai pas tout imaginé. Les souris infectées. Mes spécimens illuminés. Le pathos les rend plus fortes. Comme le palétuvien, elles sont de plus en plus voraces. Leurs formes sont étonnamment similaires, moins chaotiques que les autres. Les protubérances s'étendent depuis leur gueule, leurs ligaments se tortillent sous la peau pour soutenir leur posture bipède. Est-ce bien moi qui les ai créés ? Même l'air, on dirait des tournesols, tout en dents et en pétales ondulants. Comme des animaux de compagnie, elles cherchent mon attention, non, mon affection, comme des enfants. Ont-elles vraiment grogné quand Lucas m'a embrassé ? Quoi ? Mais à chaque découverte, mais je suis là, quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Pas devant les enfants, j'ai dit « Quoi ? Mais arrêtez ! Mais le docteur Vodka qui était en... Mais... Genre... Mais ne sont-elles pas mes enfants ? Ne sont-ils pas tous mes enfants ? Rhizophore, Valerian, Solanum, Lyco, Persicum, Avada Kedavra, Mophidia, Brevidigita, Musculus... Ils ont tous goûté mon sang, sucé la sueur de... au bout... Mais quoi ? Sucé la sueur au bout de mes doigts. Je leur montre comment grandir et ils s'étirent vers l'infini. La connexion est indéniable. Mais quoi ? Attends. Trahison, le pathos m'a parlé aujourd'hui ? Mais pas avec des... Mais pas avec des mots. Je l'ai senti se déplacer le long des murs d'Argus. J'ai senti le goût du métal sur ma langue tandis qu'il se glissait entre les joints. Je lui dis d'arrêter et il m'a obéi, attendant patiemment que je monte dans l'ascenseur. Mon fils était très content de me voir. Mais la trahison et la transition. La... Ah, JPP, c'est trop pour moi, c'est trop là. C'est trop. Un écran d'ordinateur s'est allumé et j'ai vu le docteur Van Buren en train d'injecter une sorte de sérum dans les racines du palétuvien. Mon corps a tremblé en même temps que le pathos. Comment peut-il nous trahir ainsi ? Il va souffrir pour ce qu'il nous a fait. Mais c'est quoi ? Il grandit tellement vite, mon rhizophore, mon enfant, il avait si faim aujourd'hui. Le sang ne lui a pas suffi. Ses dents ont meurtri la chair de mes seins. Je l'ai nourri pendant une heure. J'ai la tête qui... Quoi ? 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 J'ai pris ma décision. Je ne comprends pas pourquoi j'ai hésité si longtemps. Comment ai-je pu les laisser me contrôler ? Je vais quitter cette prison. Orochi cherche à me contrôler. Lucas tue mes enfants. Ah, c'est pour ça que ça a fini dans son œil. Les murs eux-mêmes me trahissent. Ils se rapprochent et étouffent mon travail. Ce corps humain trop fragile me trahit. La fatigue m'accable. Mes muscles sont douloureux. Mes systèmes nerveux sentent. La circulation tremble au point d'altérer mon rythme cardiaque. Mes plantes sentent des vibrations bien trop subtiles que nos sens limités. Ils m'appellent mes enfants. Ça a déjà commencé, mon enfant. J'ai touché sa main et la noirceur s'est saisie de mon poignet. Le pathos a envahi mon système. Il me parle en musique. T'imagines si yodel ? T'imagines si le virus en vrai yodel ? T'imagines la honte, tu yodel et tu meurs avec un accent allemand, tu vois. Il m'invite à le rejoindre dans le palais, tu viens. Ensemble, nous éliminerons tous les obstacles. Yola, notre œuvre sera glorieuse. Ça va trop loin, cette histoire. Ça va trop loin.